Bienvenue dans ce premier épisode de ce one-shot Donjons et Dragons sur Rollis Life. Aujourd'hui, nos héros plongent tête la première dans l'aventure. Préparez-vous, car cet épisode s'annonce riche en péripéties, mystères et rebondissements. Donc notre histoire prend place dans les royaumes oubliés, hein, et plus précisément dans une petite bourgade répondant au nom de Amphai. Amphai se situe sur la côte des épées de Faerûn, sur la longue route entre Waterdeep et Red Larch. Le soleil vient tout juste de se lever sur Amphai. Il inonde ses rues pavées d'une lumière dorée. Il y a une certaine agitation matinale qui commence à prendre forme. Les marchands installent leurs étals et les habitants entament leur journée sous un ciel dégagé. Et bientôt, les chemins de quatre âmes très différentes vont se croiser. Toi, Sando, tu arpentes ces ruelles du marché aux premières lueurs du jour, les poches presque vides. La traversée en bateau t'a coûté une majeure partie de tes économies et bientôt, tu n'auras plus le luxe de te permettre un repas chaud. L'urgence est claire, tu dois trouver une prime, un travail, n'importe quoi pour renflouer ta bourse. Je viens tout juste de quitter le navire. Et je viens d'arriver effectivement en ville. Regarde un petit peu autour de moi, les ragots que j'entends, une chose comme ça. La traversée a été un peu longue et difficile. J'ai par habitude la fâcheuse tendance à regarder derrière moi. Et voilà, je reste comme ça aux aguets et je me dirige vers une place un peu plus bondée ou quelque chose comme ça, à l'affût d'une opportunité. Je regarde comme ça. Tu regardes, tu vois que vraiment c'est bondé, il y a du monde, il y a ces odeurs de saveurs d'épices, tu sens ce cochon grillé, hein, un coin de rue, on peut vendre du vin, il y a tout un tas de gens qui gueulent dans la rue, et au bout d'un moment, il y a une courtisane qui t'accoste, hein, avec un sourire clairement qui enjôleur, hein, et elle commence à danser en t'effleurant doucement le bras et elle parle, mais tu essaies de tendre l'oreille, mais en fait tu t'entends pas vraiment ce qu'elle te dit et ses paroles sont j'aurais du mal à écouter aussi légères, ouais. Ouais, comme si c'est aussi légère qu'un souffle de vent, tu vois, mais t'es vraiment omnubilé par sa prestance, hein, clairement. Tu m'étonnes. Les femmes sont une chose qui me fascine, bien évidemment, et qui plus est quand elles sont aussi attrayantes. Donc j'ai un espèce de sourire enjoué que je lui rends et qui se veut un petit peu séducteur, quoi. Mais bon, par habitude, dès qu'elle pose la main sur moi, je l'attrape et je lui dis doucement, ma belle. Oh, je... Oui. On ne goûte pas la marchandise gratuitement. Mais alors, tu vois qu'elle te tend la main comme ça en souriant. Que fais-tu? Eh ben, je l'embrasse et je lui rends sa main. J'embrasse sa main et je lui rends, quoi. Fais-moi un test d'intuition. Test d'intuition. On rentre un peu dans la mécanique, donc vous ouvrez tous vos fiches, comme ça vous allez voir un peu comment ça marche. Intuition, c'est parti. Vous voyez, vous avez intuition, vous cliquez sur le mot intuition. Et là, je dis normal. Il vous demande, hein, tu vois, t'as avantage ou désavantage ou normal, donc tu mets normal. Allez. Donc, pour toi, c'est clairement peu commun. Enfin, ça arrive, mais une femme aussi belle qui t'accose comme ça, tu viens de Waterdeep, hein, et vraiment, on te la fait pas. Hein. Ouais. Clairement, il y a quelque chose d'étrange. Hein, et en fait,
Tu lui chopes un peu le poignet, hein, mais tu sens qu'il y a un mouvement de foule derrière toi. Et tu te retournes et en fait, tu vois un mec courir dans les rues avec une cagoule et tu tapes dans ton équipement et tu vois qu'il a l'air il t'a volé. Il est Oh parti avec quelque putain, chose je m'es. dans les mains. Ok. Ok, alors deux choses. D'abord, je la regarde d'un air mauvais et je lui dis catin, comme ça, et je me mets à courir comme un dingue pour rattraper ce salopard. Et je hurle, reviens là, fils de chien, machin truc. Tu perds pas une seconde, ouais. Tu cours, tu souris Ouais, moi. amèrement parce que tu as l'impression tu t'en doutais en fait et Voilà, c'est ça. mais tu commences à courir et tu vois hein, cette silhouette, hein, tu pousses des gens, tu vois qu'ils sautent par-dessus des murs où tu essaies de le suivre, mais tu es assez agile et elle tente vraiment de se faufiler entre les étals et tout ça, mais tu tiens la distance, la chasse commence. Je lâche pas l'affaire. Régulièrement, la silhouette peut m'entendre dire reviens là, je te tuerai, je te tuerai rapidement ou des trucs comme ça. Tu Très bien. vois. Oh, mais quel homme aimable. Je ne te ferai pas souffrir. Pendant ce temps, alors, je vais vous mettre quand même. J'arrive parce que j'ai tellement de. Non, voilà. Dans une rue adjacente, deux soldats arborant les couleurs d'Amphai, Gildan Argento et Garland d'Amber. Vous commencez votre ronde du matin. Vos ordres sont simples. Patrouillez dans Amphai et veillez à ce que tout se passe bien en attendant le retour de la garnison d'Amphai partie affronter un camp orc menaçant. Vous passez d'une rue à l'autre en tentant de convaincre certains villageois ou mercenaires de rejoindre les rangs des gardes temporaires. Mais le village est en ébullition, chacun vaquant à ses occupations et peu enclin à porter une épée pour défendre les rues. Faites-moi un test de perception, tous les deux. Perception. Le voici. Oh! Oh, c'est beau ça. Du vanat pour démarrer. Ah! Alors, vous êtes. Mais vraiment, les yeux d'aigle! Ah, Ils putain! Ah, Ils sont sérieux, les on est mecs! sérieux, hein. Pas là pour déconner, hein. Alors, déjà, vous êtes tous les deux. Alors, le test de perception, je le prends en compte. Mais je vais vous laisser un peu me dire qu'est-ce qui se passe dans la rue. Vous êtes tous les deux en train de patrouiller. Vous ne vous connaissez pas trop, hein, comme je vous ai dit. Vous avez un petit texte, donc à vous de me dire un Oui. peu ce qu'il en est. Chacun votre tour. Ah, je vais laisser Dar on sait. Je commence? Bon, Ouais, bah vas-y, écoute. je te laisse. Ben moi, alors, bon, ça fera peut-être pas très original vu le groupe, mais effectivement, je suis plutôt très beau gosse, hein, grand et bien taillé, mais plutôt voilà, grand et très avenant, une belle chevelure. Et on me remarque aussi avec la hallebarde que je porte dans le dos ou à la main selon les situations. Et pour le coup, non, non, je prends mon travail tout à fait au sérieux. Je suis attentif, d'où mon résultat. Mais en même temps, voilà, j'ai toujours un peu le sourire aux lèvres. Je suis très un peu charmeur, un peu je souris aux dames. Voilà, je suis attentif et en même temps, j'ai l'attention qui passe un peu dans tous les sens. Pour Gildan, lui aussi c'est un personnage très grand, sans doute peut-être un peu moins beau que mon camarade à côté, majoritairement parce qu'il est censé avoir des cicatrices au visage, chevelure d'argent. Il est un peu morose, il n'est pas aussi joyeux enjoué que son camarade d'à côté. Il reste très stoïque, très professionnel, très à l'affût des événements. Chaque fois qu'un événement un peu surprenant apparaît, il est vraiment
très souvent zaguer, prêt à prendre sa lance qui est très souvent sur son dos. Mais malgré ça, c'est quelqu'un de très droit, très concentré. On rigole pas avec lui. Très bien. Donc vous êtes tous les deux, vous faites votre patrouille, vous êtes attentif, vous essayez de voir s'il y a peut-être des possibles personnes à recruter. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Dites-moi. Pour l'instant, je suppose que tout se passe bien. Les gens nous toisent du regard, sans doute, et essaient de ne pas trop nous toiser du regard. Ça s'éloigne un peu, j'imagine. Ça va. Il n'y a pas trop de gardes dans la ville en ce moment, pas trop de soldats. Du coup, au contraire, hein, ils sont rassurés par votre présence. Vous sentez qu'ils ont quand même Mais c'est comment l'ambiance concrètement? Est-ce que les gens sont un peu... quel est alors le sentiment général après les patrouilles? Non, après ça dépend des personnes, mais la majorité des personnes, quand vous passez, vous font un sourire, vous touchent un peu l'armure, les enfants vous tirent un peu votre cotte de maille ou ce qui pendouille, si vous avez des capes, voilà. Tout le monde est vraiment content de vous voir traverser la rue. Vous êtes une source protectrice d'Homfaille. Effectivement, comme il y a très peu de gardes, et qu'on nous l'a demandé, enfin voilà, il faut qu'on arrive à trouver, il faut que j'arrive à trouver, j'arrive à trouver une ou deux recrues quand même de talent, je pourrais être bien vu si j'arrivais à trouver une ou deux personnes qui puissent devenir dans la garde de la ville, quoi. Alors que vous êtes vraiment en train de jouer limite avec des enfants en jetant un peu leur caressant le visage et leur montrer d'aller jouer un peu ailleurs, vous continuez. Vous entendez il y a un bruit qui attire votre attention. Comme si des cris étouffés, des pas précipités, comme s'il y avait du mouvement hein, qui était vraiment dans une rue parallèle à la vôtre. Hein. Tu entends ça, Keldar? C'est Garland. Ah, Garland, pardon. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tu entends ça, Garland? Déjà, ça s'anime, de bon matin. Allons voir. Allez, allons jeter un coup d'œil. Vous échangez un regard un peu entre vous, et sans dire un mot, vous commencez à vous diriger vers l'origine du bruit. Hein. Vous arrivez dans une ruelle qui devient plus sombre à mesure que vous avancez et vous réalisez que quelque chose ne tourne clairement pas rond. Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous dire ça bientôt. Raskor Delmotte. Depuis plusieurs jours, tu sens une ombre planer sur Homfaille. Dans tes prières à Kossuth, le Seigneur des Flammes, tu as ressenti un danger croissant. Certaines visions ont troublé ton esprit, des ombres floues qui rôdent dans les environs du village. Ces signes, tu ne peux les ignorer, car tu sais que Kossuth t'a choisi pour éradiquer le mal par le feu purificateur. Tu as appris que la garnison est partie pour affronter un camp orc, et ton instinct te dit que la véritable menace est plus profonde. Ce matin, alors que tu erres dans les rues d'Homfaille, un pressentiment brûlant te guide vers une ruelle sombre. Là, tu entends des cris, le bruit d'une altercation. Tu sens que Kossuth t'a mené là pour une raison. Dis-moi. Ok. Suite au cri, ni une ni deux, je décide de me précipiter vers l'endroit où il y a eu ces bruits.
Et je me prépare déjà, mentalement, avec un petit sourire aux lèvres, limite un peu machiavélique. Sachant très bien que potentiellement il va pouvoir brûler des hérétiques ou des personnes ayant fait du mal. Ou peut-être même une chose ou un être humain ayant provoqué, du coup, cette ombre qui s'agrandit dans cette ville. Du coup, je m'accours. Très bien. Hop. On va revenir à Sando. Alors, ça va pas durer toute la soirée comme ça, hein, faut rassurer. T'es en train de m'énerver! Reviens là! Tu continues à courir, toi, tu vois, tu continues à courir à travers ces rues étroites. Ouais, hein, ouais. Le gars semble clairement connaître la ville. Tu sautes par-dessus les étals, la totale, quoi. C'est bondé, tu poursuis ton voleur jusqu'à ce que. Au bout d'un moment, tu vois, il s'engouffre dans un cul-de-sac, clairement. Je prends toute la place de la ruelle que je peux comme ça. Et je lui dis, écoute, on n'est pas obligé d'en arriver là, mais rends-moi mes affaires ou ça va vraiment barder, mec. Tu vois qu'il reste tu vois toujours son dos en fait, il est toujours de dos face à toi. Il bouge pas, il est devant cette porte, au début, tu vois qu'il semble désespérément chercher une issue, hein, qu'il trouve pas. Mais je m'avance doucement, quoi, petit à petit. Je lui dis, hey, du gland, tu m'as entendu? Et tu vois qu'il se retourne tout doucement vers toi avec un sourire suffisant, comme s'il t'avait piégé. Car en tournant légèrement ta tête, tu t'aperçois qu'il n'est pas seul. Il y a trois autres hommes qui surgissent de l'ombre derrière toi, prêts à en découdre. Ok. Et qui me bloque le passage ou... Clairement, t'es un peu pris dans un étau. Je regarde autour de moi. Bon, j'ai un peu l'habitude de ces tactiques. J'ai le nez dans la rue, quoi. Tu vois, donc je regarde autour de moi. Je fais. Ok, je vois le genre. On organise une petite fête, c'est ça? Et je parie que c'est mon anniversaire. C'est possible, c'est possible. Alors c'est lui qui prend la parole. Ok. Il est assez puis grand, hein, il a des dents jaunes, hein, jaunies par... il a un visage balafré et il s'avance vers toi d'un pas serein. On dirait bien que t'as perdu ta bourse, l'ami. C'est bien dommage, non? Sors ma dague comme ça et... est-ce que mais vraiment de manière non pas de manière menaçante, hein. Ouais. Un peu comme je m'apprête à utiliser mon couteau pour d'accord. Tu vois qu'il a quand même lui il a une hache à deux mains sur l'épaule, hein. Ok oui mais tout est dans le évidemment j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure là parce que je suis en danger et je dis vas-y. Je commence à me couper un bout de parce qu'il m'arrive de chiquer un petit peu. Ouais. Et donc je me coupe un petit bout de chic comme ça avec ma dague. Et je le mets dans la bouche. Et puis je fais... L'ennui. Avec les grands cons dans ton genre, c'est que quand ils tombent, ils font un boucan de tous les diables. Tu vois, c'est pas la première fête à laquelle on convie mon pote. Et il semblerait... que c'est pas moi qui soit à la tête d'affiche aujourd'hui. Bah écoute, nous on pensait juste aider à t'alléger de ce poids inutile. Tu vois qu'il y en a
le gars hein, qui t'a pris la bourse, il commence à parler. Ouais, t'as pas besoin de tant d'or pour un gars comme toi, hein. Faut partager, tu comprends? T'es un étranger, toi, ici. Vous m'avez bien regardé, les pouilleux. Oui. On pourrait faire partie de la même famille, je crois. Quoique, visiblement, ma mère était un peu plus belle gosse que les vôtres. On les connaît, les voyageurs qui se... ils font style de voyager incognito, et qui cachent des trésors sur eux. Alors écoute, voilà le deal. Tu nous laisses tout ce que t'as, et on te laisse partir. Sinon, bah, on se charge de toi ici même. Comme tu veux. Tu vois que les autres commencent à ricaner, hein, clairement, ils rigolent et ils se rapprochent un peu de toi. Là, je mets directement ma main à mon épée courte. On peut voir que j'en ai deux. Et je dis... Dites-moi, la fille, elle était avec vous? Tu t'intéresses aux filles à ce moment même? Tu devrais t'intéresser plutôt à ta vie. Bah c'est que je me dis, une fois que je vous aurais mis une grosse branlée, j'irai bien me reposer un coup. Allez, faut avouer qu'elle était plutôt mignonne. Elle a un prénom. Parle pas comme ça de ma sœur. Et tu vois, il est en train de taper la hache par terre comme ça, et il la prend à deux mains et on va faire une initiative. Je vous explique. Je parle mal de ma sœur. Je parle mal de ma sœur. Alors, je vais vous expliquer. À tout moment, t'aurais dit parle pas mal de ma mère. J'aurais pas été bien. Ah, ça va pas été la même. Alors les grands cons comme toi, quand ça tombe dans l'escalier, ça fait beaucoup de bruit. C'est une réplique que je sors régulièrement moi aussi. C'est vrai, ouais, trop bien. Et ben moi, c'est mon cher papa qui me l'a sorti un jour. J'imagine le contexte. Petit hommage. Et c'était mon anniversaire. C'est tiré d'un film. C'était mon anniversaire. C'est tiré d'un film en fait. Du coup, pour l'initiative, Sando, tu vas sur ta fiche. Alors, je vous explique à tout le monde, hein. Je dis Sando, mais vous pouvez regarder. Sur ta fiche, tu as initiative en dessous de ta photo, à gauche. En dessous de ma photo... L'onglet à gauche. J'ai click to roll. Il y a plus 3 initiatives. T'es sûr? Alors je vais sur ma fiche de perso. Hein. Ouais. Ouais, ok, ça y est. Donc tu cliques sur initiative. Ok, je fais normal. Allez... Ok, donc c'est toi qui agis en premier, clairement. Que fais-tu? Ce que je vais faire, c'est que en le voyant approcher, je vais sur un des tonneaux qui traînent ou un truc comme ça. Ah non, même pas. C'est quoi? Je vais... pas de quartier. Hein. Je vais ramasser... je vais courir vers lui. Me pencher à la dernière seconde et essayer de lui envoyer de la terre dans la gueule. Très bien. Alors, tu vas me faire un test d'acrobatie. Hop. Je me dis, si je tape le plus gros, c'est ma stratégie. Tu utilises sur lui, hein, on est bien d'accord. Oui, sur le super chef, quoi. Acrobatie, allez mon gars, c'est pas le moment de te foirer. Oh ouais, mec. Super. Ouais, super. Alors, tu vois, tu sens qu'ils vont commencer à agir hein, rapidement. Et tu te diriges vers lui en courant. Hein, mais en fait, tu te prends les pieds au niveau d'une dalle, vraiment... qui est un peu mal positionné, hein, qui te fait glisser hein, la tête la première, tu glisses sur 3-4 mètres et tu tombes à ses pieds, et en fait tu lèves la tête et tu vois il est là avec ses dents jaunes qui te regardent de haut, je fais « Alors, on est tombé ?» Eh oui, mais j'utilise mon action bonus pour lancer ma dague dans sa face. Très bien. Parce que je me combats à deux armes. Vas-y, non, vas-y, mais même à... Ouais. Je fais un jet de dextérité. Alors, non, pour le combat,
tu cliques, tu vas à aptitude. Aptitude, inventaire, aptitude, ok. Ah non, inventaire, pardon. Inventaire, et tu as ta dague, tu cliques sur la dague. Ok. Elle est censée être équipée, de toute façon. Oui. Et je fais quoi? Je clique dessus, c'est tout? Ouais, tu cliques dessus, c'est tout automatique. Donc... Est-ce qu'on peut considérer que c'est... Qu'est-ce c'est une attaque un petit peu en traître, étant donné. Alors, le jeu fait croire que. Oui, mais le truc, c'est que tu pensais ne pas te gameller et la gamelle gâche un peu ton avantage que t'aurais pu peut-être avoir, c'est que t'es à terre. Et voilà, je te laisse attaquer déjà, okay. C'est bien. Sans des avantages. Hop! Donc 18, ça passe. Et tu vas cliquer sur dégâts. Tu vois, t'as attaque et dégâts en dessous. Donc tu cliques sur dégâts. Normaux. Donc 6 dégâts et. Donc tout est automatisé. Et donc, en fait, oui. Ok. Tout est automatisé. C'est super classe. Voilà. Au moment où il fait alors on est tombé. Je dis pas du tout tout ça, c'est une tactique. Et là, flamme dans la jambe, je lui plante ma dague. L'attaque dans la cuisse, quoi. Tu l'entends gueuler, hein, clairement. Ah, alors foiré. Et en fait, tu... Bah, ce piège, qui était quand même presque parfait, hein, de ces brigands, avant que tu utilises ta combine hein, ancestrale, qu'on a dû t'apprendre dans des groupes de roublards, hein, t'entends des pas qui résonnent dans la ruelle. Gildan et Garland, vous arrivez. Et vous voyez cette scène. Ce roublard qui est à terre au milieu de 4 personnes. Ce vagabond, c'est pas marqué sur ma tronche non plus. Oui, c'est vrai, ce vagabond. Pardon. Vous comprenez rapidement la situation, hein. Clairement. Ouais. Cet homme sans dos a agressé les 4 autres. Cet homme sans dos, ouais, c'est... je le connais, je sais comment il s'appelle. Oui. Je le connais. Non, je plaisante. Ok, en voyant la scène, on comprend qu'il y a une agression en cours. Oui, et clairement, hein, votre formation clairement. De soldat, ça vous permet pas d'hésiter. Hein. Vous êtes obligé d'agir, ouais. Hein, c'est un peu votre boulot. Et il faut, ça nécessite une intervention rapide avant que cet homme, hein, ce vagabond, hein, du coup... puisse être mise à mal par ces 4 hommes. Hein. Ah bah je pense qu'immédiatement, pour le coup, le barde jaillit, moi, dans ma main, en tout cas. Et que se passe-t-il ici? Donc je vais vous mettre Ils sont armés, les 3 ou 4 autres, hein, ils ont des choses à la main. Ah ouais. Ils sont tous armés. Du coup, je vais vous rajouter dans le turn order, vous allez me refaire votre initiation, tous les deux. Initiative Initiative, ouais, initiation. Initiation, oui. Donc si vous avez des questions... Ah. Alors t'es légèrement blessé, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'allais te demander, oui. Comme j'étais... je revenais de blessure dans mon background initial, mais je ne sais pas si c'était ça qui était. T'as combien de PV toi avec ton perso? 16, non? Je suis à 12, moi, au max. À 12. Hop, je vais remettre... Ah, pas très bien. Ah, ça c'est bon. Je hop. Pète la forme. C'est pas grave. Du coup, avant que vous réagissiez, c'est peut-être parce que j'avais pas commencé le combat. Si Gildan, toi tu peux agir. Vous voyez, vous avez le tableau en haut, hein, qui vous met vraiment l'ordre de où vous pouvez agir. Donc toi, Gildan, t'arrives en deuxième grâce à ton 15. Donc que fais-tu? Je vais commencer à prendre ma lance, sortir mon bouclier. Je vais m'adresser de manière très menaçante à ces messieurs. Je vais dire, la fête est terminée. Baissez vos armes tout de suite. Je regarde s'il pense ce que je demande. Alors tu vas me faire un test d'intimidation. Ou de persuasion, au choix. Oh, c'est de l'intimidation à ce stade-là. Ah bah paladin, hein. Paladin oblige. Tu vois les
Les gardes reculent d'un pas comme, en vous voyant et commencent à fuir directement hein, sur au niveau de la ruelle qu'ils avaient pris hein, assez vite. Hein. Mais le dernier passe vers toi, attends. Donc tu peux avoir une réaction. Vu qu'il a quand même des objets à toi. Et derrière vous, il y a environ 5-6 mètres, il y a cet homme, ce clerc, hein, qui en fait, Raskor, toi, t'arrives à ce moment-là. Tu as vu plus ou moins la scène de loin et tu vois que. Tu sens que Kossuth, en fait, te pousse à agir. T'as envie, tu vois, de répondre par le feu, hein, clairement, mais tu les vois partir, t'es un peu déçu, hein, t'arrives sur place et tu sais pas que fais-tu, en fait. Voyant qu'ils sont en train de fuir, je lance directement, si c'est possible, un de mes sorts, Flamme Sacrée. Je te laisse le faire. En criant, tu m'échapperas pas. Alors, je vais te mettre comme ça. Fais ton initiative. Ah, mon initiative, ok. Ouais. Oh bon, bah... Est-ce que j'aurai le temps de faire même quelque chose? Je vais laisser Garland faire quelque chose avant, si tu veux, et puis après, tu pourras réagir. Hein. Ok. Garland, qu'est-ce que tu as en réaction? Voilà. Alors, moi, pour le coup, voyant qu'ils sont en train de fuir, je m'avance, sur à peu près comme ça, je sais pas si la distance est bonne. Oui, tu peux, ouais. Avec la hallebarde en avant, et prêt à en faire tâter le premier qui reviendrait. Mmh. En gros, je les poursuis pas, hein, mais je m'assure qu'ils reviennent pas. Par contre, je m'arrange peut-être pour, si j'ai la place de passer, pour bloquer la route du dernier, là. Du dernier bien. Qui est toujours là. Parfait. Ouais. Et je lui bloque la route en menaçant avec ma hallebarde. Ok. Tandis que moi, je lui fais un croche-patte, mais qui ressemble plus à un genre de coup de pied, quoi. Ok, alors tu me fais un test d'athlétisme. Un test d'athlétisme. Ça va être athlétisme contre athlétisme. Ok, c'est vraiment mon fort, en plus. Alors, athlétisme... Bon, bah, allez, hein. Normal, je suppose. Ah bah, c'est vrai qu'ils ont pas de... Oh. Bah, alors là, merci beaucoup. Ils sont affreux. Il essaie de taper le pied, c'est son pied qui casse. Ouais, ah ouais, depuis tout à l'heure, là. Du coup, tu mets ton pied, et, en fait, il te marche sur la cheville, hein, où vous entendez ce vagabond qui crie, ah, clairement, il te tord la cheville, hein, donc tu prends un point de dégâts, quand même. Et ouais. En fait, il continue à courir. Et il arrive au niveau de Garland. Je crie comme ça, je fais bordel de... voilà. J'ai la rage, quoi. Oh, je t'ai enlevé le point de vie. Du coup, Raskor, tu peux agir. Est-ce que tu fais ton idée de base, hein ? Oui. Tu restes sur ça ? Ouais. Oui, je reste sur ça. Alors, de là où tu es, ça peut être dangereux. Parce que t'as... deux gardes de la ville d'Amphai qui sont vraiment sur ton chemin, hein, au niveau de... Donc à toi de voir, comment tu t'y prends, explique-moi. Écoute, qu'il y ait des hommes ou pas devant moi, je ne peux pas reculer face au mal. Du coup, j'enflamme ma main et je le vise. Avec maman en l'ouvrant. Et voilà. Je tire ma flamme, entre guillemets. Ok. Et alors, tu auras un désavantage. Pourtant, j'ai essayé de t'indiquer. C'est-à-dire. De t'aider à. Alors, flamme sacrée. Donc, tu cliques sur flamme sacrée. Ah non, c'est flamme sacrée que tu fais, c'est ça? Ah oui, mais. Ouais. Donc, c'est juste un sauvegarde de Dex. Ben, c'est ça. Ah, il y a pas de. Coup, je pensais que c'était un jet de sort, d'accord. Écoute, il va le faire. Bah, du coup, techniquement, je peux pas le rater. C'est vrai. Mais ça, c'est dommage, parce qu'une flamme et t'as des gens devant, enfin bon.
J'aurais pu mettre. J'aurais bien vu. J'aurais bien vu le paladin avec ses cheveux qui crament sur le. C'est ça en fait. Après, elle descend du ciel. Elle descend du ciel, on dirait. Ah, descend du ciel. Ouais. C'est peut-être pour ça. Et oui. J'écris que tu te fasses brûler par les flammes de Kossuth. Très bien. Alors attends, je vais faire un jet de sauvegarde. Les barjots, quoi. Limite, les bandits sont plus normaux, je trouve. Ouf, j'ai loupé. Explique-moi. Fais-moi tes dégâts, déjà. Tu cliques sur dégâts. Oh, j'ai pris tellement pour des bons dégâts. Wow. Wow, c'est moche. Ah, écoute, hein, tu... C'est une étincelle. Donc tu vois, t'arrives, tu vois ce gars partir, hein, qui marche sur la cheville de Sando et qui court et qui vient vraiment au contact avec ce garde qui est devant lui. Et tu fais appel au ciel et il y a ce jet de cette lumière, hein, divine, hein, qui vient s'abattre sur lui, mais qui le prend vraiment dans le dos. Hein, il est pas loin de tomber, mais il se rattrape et du coup... Ce bandit-là disparaît dans les ruelles. Sando, que fais-tu ? Immédiatement après avoir juré à de multiples reprises, à moitié trépigné, c'est-à-dire plutôt même fait... Je pars à moitié à cloche-pied, je commence à courir pour le rattraper et me jeter sur son dos, quoi. Ok. Il a mes affaires, ce fumier, et l'autre, en plus, est parti avec ma dague. C'est hors de question. Alors, normalement, c'est lui qui a tout. Hein. C'était lui que tu suivais, donc c'est lui qui a tout. Ah oui, l'autre, il a la dague plantée dans la cuisse, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Donc, je vais lui prendre sa dague à celui-là. Ok, donc tu lui sautes dessus, tu me fais un... Tu t'essaies de quoi de le ceinturer, enfin de le bloquer C'est plus un espèce de. De plaquage. Sais, je saute, et puis avec mes deux pieds en avant, j'essaie de le projeter, quoi. Ok, donc tu vas avoir un avantage par rapport à ce sort de lumière qu'a fait Raskor, hein, du coup, ce clair. Hein, tu vois qu'il y a ces deux gardes, il y a ce clair qui se prennent. Tu sais pas d'où ils sortent, mais du coup, je vais te laisser un avantage. C'est bien aimable, vous êtes bien urbain. Est-ce que j'utilise quoi un jet d'attaque ou. Athlétisme. Athlétisme toujours, c'est parti. Alors toi t'es dans le placage, que... t'es dans le... ouais, t'es dans le... Est-ce que techniquement, étant donné que j'utilise pas totalement ma vraie force, j'utilise plus ma vitesse, est-ce que je peux faire ça avec l'acrobatie ? Allez, je te le laisse, parce que tu négocies, tu as négocié toute la semaine et je t'ai rien accordé, donc je te laisse. Oh là là, ça a dû être quelque chose les négociations. Ah bah putain, explique-moi quel avantage. Dis-moi ce qui se passe. Alors que peut-être il avait ralenti pour essayer de d'éviter la hallebarde. C'est-à-dire tout se passe un petit peu simultanément. Au moment où il arrive près de Garland, eh bien. Garland, tu vois un type qui tombe face contre sol. Tu en vois deux d'ailleurs. et limite, j'atterris moi le cul sur son dos, quoi, tu vois. Très bien. Parfait, ça. Du coup, on en est où au turn order? Gildan. Oui. Bon, moi je vois que mon collègue se charge. De ce monsieur, moi je vais me contenter de charger, hop, je pense que je suis à bonne distance, 9 mètres, directement sur celui-ci. Je vais vraiment le commencer à lui foncer dessus et le plaquer avec mon avant-bras sur le mur et sur la gorge. Ok. Je sais pas si, ouais, je ouais. sais pas si tu vois. Ok. Donc pareil, on est sur de l'athlétisme. Alors là, t'as pas d'avantage. Par contre, parce qu'il n'a pas pris de sort. Hein. Ça passe si j'ai un bouclier ? Pour l'avantage ? Bah, je sais pas hein, si ça. Non, non, ça bah, tu peux. Non, non, mais tu peux faire avec un bouclier. Au contraire, le bouclier, ah. ça peut te permettre vraiment de plaquer ce personnage assez plus aisément. Mais pas d'avantage. C'est ce que je vais faire. Ok, pas de souci. Je te fais ça. Oh.
T'arrives avec ton bouclier, tu le pousses contre le mur, hein, clairement, je te laisse déplacer ton token et tu le bloques. Hein. Ça marche. Tu vois, il est là, mais il va quand même tenter de faire un test de force. Comment je dépasse ? Hop ! Comment ? Tu vois, il résiste et résiste et en fait, il arrive à se glisser, mais t'es quand même au contact. Et tu peux faire un. Alors, je te déplace. Tu peux faire une attaque de réaction si tu veux. Super, bah ok. Attaque de réaction. Si tu veux attaquer, si tu peux faire. Ouais, mais c'est le but, c'est pas d'utiliser c'est pas d'utiliser la lance ou de le blesser. Mmh. C'est vraiment alors l'attraper par le cou, par l'arrière du cou, la nuque. Ouais. Et vraiment de le mettre sa nuque en sur le sol, vraiment un coup au sol. Très bien, ok. Donc là, on est clairement dans pareil, on est dans l'athlétisme. Oui. La bagarre. La bagarre. Le bar de fer. Athlétisme, hop. Oh. En fait, tu vois, il se dégage, il commence à glisser, et tu le prends vraiment par le cou, une grosse poigne, et tu le soulèves. Il est en train de courir en l'air, en fait. Tu le soulèves et tu lui enfonces le crâne hein, dans le sol, hein, il devient clairement KO hein, sur le coup. Je veux dire, toute résistance sera retenue contre vous. Du coup, lui, par rapport à ton action, Sando, il est par terre, il bouge pas, tu le tiens, il peut rien faire, en fait. Il est bloqué. Ok, je le tourne et il prend une première gifle, hein, direct. Alors, on verra à ton tour. Hein. tu peux le taper, oui, à son moment. Mais par contre, lui, le chef des bandits s'enfuit. Vu que t'as plus de réaction, t'as déjà utilisé la tienne. Ouais, bah ouais. Il fuit. Je hurle, je connais ta sœur. Comme ça. Donc on va terminer le combat. Voilà, c'était pour vous expliquer un peu comment ça se passait. Donner un premier okay. Aperçu. Hop, je vais enlever la musique qui fait peur. Voilà, un peu de calme dans ce monde de brut. Que faites-vous ? Les deux malfrats sont neutralisés, sont sous... Alors il y en a un qui est vraiment KO, hein. Il est sonné par ce paladin hein, qui l'a pris par le cou. Et l'autre se débat très maladroitement. Hein. Il y a ce vagabond qui le tient, hein. Il est en train de lui mettre des gifles, hein. il le frappe. Mais... Oui. Même d'abord, je sors ma corde et je l'attache au mec. Mes réflexes professionnels. Hein. Oh là 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 là. Ils sont prisonniers de la garde. Allez, on va les remettre. Fais... Bouge pas, ma princesse. Ne bougez plus. Je dis aux deux. Là. Je dis hors de question. Je suis chasseur de primes et c'est ma prise. Fallait ouais. L'attraper le premier, mon pote. Il te dit ça en le tenant. Hein. Vous parlez à la garde, là, vous le cherchiez, ce malfrat ? Possible. Il y a combien sur sa tête ? Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse prime, vous avez vu le... C'est des petits malfrats de rue, ça. Une fois que je l'ai attaché, je le tourne, je lui mets une baffe comme ça, je fais « Il y a combien sur ta tête ?» Lâchez-moi, je vous vaux rien, je vous apporterai rien, c'est bon, allez, soyez cool, quoi, je vous donne 5 pièces d'or en plus, mais laissez-moi partir, s'il vous plaît, j'ai rien fait de mal, j'obéis aux ordres, c'est tout. Vous allez finir chez le bailli, directement. Non, non, pas le bailli, ah non, oh, s'il vous plaît, soyez... charitable. En plus, je suis jeune. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger durant cette discussion, mais vous avez l'air un peu dans des problèmes, mon cher. Je peux vous proposer une autre alternative. Et je commence à sourire. Quelle et alternative je lui dis, quel genre d'alternative? Mais qui êtes-vous? Je peux essayer... Ah, veuillez m'excuser, je ne me suis pas présenté juste avant. Je me nomme Vasco, je suis clair. Et pour tout vous dire, mon Dieu me permet de pouvoir purifier des âmes. Et si vous voulez, vous brûlez.
jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la moindre fibre de votre corps. Mais qu'est-ce que c'est que ce fou ? Mais non, mais j'ai pas envie de brûler, hein, je préfère le bailli, moi. On peut me voir rouler des yeux devant ces bondieuseries. Comme ça. Ah, putain. C'est carnaval pas... aujourd'hui. Je pense qu'on réservera les flammes pour des crimes plus importants. Mais c'est vrai, j'ai rien fait de mal, après tout. Et qui plus est, dois-je mentionner à nouveau qu'il s'agit de ma prise ? Et qu'est-ce que vous voulez en faire de malfrats de rue ? Vous croyez que vous allez recevoir une récompense ? Moi, j'en fais commerce, l'ami. Alors, un peu que je crois que je vais recevoir une récompense. Mais je ne vois rien ! Je ne vois rien ! Ça vous coûtera plus cher de la ferme, je suis en train de négocier ! Là, je mets une tarte. Et puis d'ailleurs, je récupère, tu sais, je récupère ma dague. Puis je lui prends sa dague, comme ça. Ah, je sais pas si il a une dague. Oui, il a une dague. Ouais, c'est histoire de dire, oui, je récupère juste les objets que j'avais au début, clairement. Mais bon, si tu veux, pas non, non. Ceci, mais... Excusez-moi, vous êtes bien chasseur de primes, c'est bien cela ? Ouais, c'est bien ça. Réam ne dit que vous devez ramener le corps à un tel état. Rien ne nous empêche de pouvoir le brûler afin de le purifier. Il continue. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Bah, l'ennui, c'est que si on les ramène morts, ça donne moins d'argent, hein. C'est clair. Hein. Généralement, qui commande un type comme ça, bah, ils ont toujours envie de lui dire un truc avant, donc... Je préfère aller voir le bailli que rester avec ce type. Père, cher prêtre, nous n'allons brûler personne, on n'est pas... Je sais pas d'où vous venez, mais on est dans une ville à peu près civilisée ici, quand même. On brûlera... Ouais, regarde, t'es complètement barré, toi. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas civilisé si tu usais les flammes afin de purifier ce monde. Oui, vous n'avez pas lu les paroles de Kossuth ? Moi, je me relève, vous allez vous calmer, mon petit père. L'autorité de l'État d'abord. L'autorité de l'État d'abord. Ces deux hommes sont sous la juridiction de la garde, seront jugés par la garde. S'il y a une prime, tant mieux pour le chasseur de primes. Ouais, chasseur de primes. Ouais. Vagabond. Vagabond, on a dit. Vous ressemblez pas aux chasseurs de primes conventionnels. Merci. Vagabond de primes, en fait. C'est vagabond de primes. Regarde, je te souris comme ça, je te dis merci et je te tends la main, genre, comme si c'était un vrai compliment. Genre, c'est super sympa de me dire ça. Je m'appelle Sando. Gildan. Je lui sers la main. Bon, monsieur Sando, si vous pouvez au moins nous expliquer les circonstances de ces événements, à moins qu'on doive vous arrêter également pour agression. Eh bien, j'étais en train de... Enfin, plutôt sur le point de passer du bon temps avec la sœur de leur copain, quand ce petit fumier s'est glissé derrière moi et m'a volé, mais... Et puis là, je me penche, d'ailleurs, et je récupère quoi qu'il m'ait volé, mes affaires. Et d'ailleurs, je lui prends aussi sa bourse. Oui, tu prends sa bourse. Ouais. Alors, je vais tirer un des 20. Il t'a dit qu'il en avait 5, mais on va voir. Faut que je fasse plus de 5. Hein. Donc, tu récupères 16 pièces d'or en plus. Putain, ça allait combien pour le coup ? Je le verrai après. Hein. Je te le note. Après, je vous ferai un bilan de... Voilà. Et il s'est dit que c'était une bonne idée de me piéger dans une ruelle avec ses copains. Ouais, et voilà, je crois que j'ai terminé. Tu sais, je te regarde comme ça. Un vagabond qui avait quelques possessions avec lui, alors. Pas si vagabond que ça. Il vient de me voler. Non, je peux vous dire que il vient de me voler ma bourse, quand même. Il a pas le droit, garde. Je viens de récupérer la bourse que tu m'as volée. Non, vous avez volé ma bourse, c'est la mienne. Tiens donc, comme c'est bizarre, tu viens de voler une bourse et maintenant on vient de te voler ta bourse. C'est un peu ironique, tu trouves pas ? Mais garde, fais quelque chose, c'est du vol ! Ouais. C'est un voleur. Ça alors ? Un voleur menteur ? Bah,
Comme on s'y attendrait, tiens, dis donc. Quelle surprise, n'est-ce pas, messieurs? Mmh. Il vous voit, il est toujours un peu le cul par terre, hein. Il vous regarde tous. Et... Il voit l'autre qui est KO, il y a le sang qui coule de son visage, hein. Tu l'as bien fracassé, hein, du coup. Ouais, moi je l'ai pendant qu'ils étaient en train de discuter, moi je l'ai ligoté. Mmh. Je l'ai attaché et je l'ai pris sur mon épaule pour le ramener. Allez, on va les arrêter en bon état, dans l'état actuel. Et les amener, à la caserne. Merveilleux. Oui. En voyant un peu tout ce qui s'est passé, pour vous, hein, Gildan et Garland, vous... Alors, je dis le dé ou je dis Garland ou Garland ? Oui, on dit le dé, Garland, le dé à la fin. Ouais. Oui, Garland. Bah, vous voyez les capacités, hein, de ces deux personnages, hein, que ce soit ce clerc qui semble... Ouais, il a une armure quand même de qualité, il a exercé ce sort de flamme, il semble un peu pyromane sur les bords, mais il a l'air compétent. Et ce vagabond qui, malgré ses déboires, ses chutes, semble avoir un courage quand même assez impressionnant pour se mêler à quatre hommes comme ça. Et vous, ça vous... Bah, ça fait un peu un déclic dans votre tête. Ça pourrait être des personnes pour aider momentanément la garde d'Amphai. Ben oui. Potentiellement des potentiels recrues. Et d'ailleurs, puisque nous amenons ces deux malfrats à la caserne, vous pourriez venir avec nous pour témoigner de l'agression. Pour vous, Sando, je vous invite à nous suivre. S'il y a une prime. Au début, je vous regarde l'air méfiant comme ça. Exactement comme sur ma photo d'ailleurs. On dirait que je vous regarde toujours de biais comme ça. Vous n'avez rien à vous reprocher, je suppose. Mon visage n'a pas scié. Puis je fais. Ok. Vous m'avez convaincu, les mecs. Et vous, prêtre, vos envies de combattre la vermine qui peut traîner parfois dans les rues pourrait peut-être s'employer au niveau de la garde en ce moment. Je vous avoue que j'ai sûrement quelque chose de plus important à faire. Par contre, j'aurais bien deux, trois petites questions à vous poser, si ça vous dérange pas que je vous accompagne. Eh bien, venez donc. Vous promettez de ne rien brûler sur le chemin. Vous restez sur le chemin, tant que vous restez avec nous. Et écoutez, sachez que les flammes ne sont pas que destruction, mais aussi création. Et si vous n'avez rien fait de mal, je ne vois pas pourquoi je voudrais vous brûler et vous purifier, voyons. Je ne suis là que pour détruire les ténèbres. Voilà. Et faire en sorte que... Simple question de curiosité, vous vénérez qui pour être aussi fervent dans le concept de tuer sans limite? Ce qui est incroyable, c'est que vous n'écoutez pas mes belles paroles depuis le début. Ouais. J'ai bien clamé le nom de Kossuth. C'est un dieu incroyable, un dieu des flammes, un dieu de feu, un dieu magnifique. Voilà ce qu'il est. Un jour, je vous ferai lire quelques phrases de cette magnifique œuvre. Ouais, l'essence des flammes. Ne vous inquiétez pas, je vénère déjà quelqu'un d'autre, donc j'ai pas besoin de plus. Bah, vous inquiétez pas. Je pense que les dieux n'ont aucun problème à ce que vous puissiez vénérer quelqu'un d'autre. Bah, des dents. On dirait que vous parlez de vos bonnes femmes. Puis là, je dis, debout, toi. Et puis je lui mets une gifle encore. Puis allez, debout. Donc, du coup, vous arpentez un peu la ville, tous les six, hein, clairement. Ouais, avec les deux. Ouais. Avec ces deux malfrats, un qui est KO, l'autre qui arrête de parler parce qu'à chaque fois qu'il parle, il s'en prend une ou voilà, il sent qu'il n'y a aucune négociation possible. Et vous vous dirigez vers l'hôtel de ville d'Amphai. Il me semble que Raskor voulait vous poser des questions sur le chemin. Oui, c'est bien cela. Alors,
Sincèrement, désolé pour ce qu'il s'est passé tout à l'heure. Des fois, je m'emporte. Les flammes me mettent dans des émotions un peu trop extrêmes. Oh, mais... Alors, à qui ce n'est pas arrivé de vouloir brûler son prochain? c'est quoi cette réflexion? Ah oui, pardon. Ouais, ils se sont trouvés. Et au moment où tu dis ça, tu vois les yeux s'émerveiller. Je l'ai dit avec un sourire, hein, je l'ai dit en souriant. Et du coup, c'est magnifique que vous me dites ça, parce qu'après que vous ayez posé des questions, bah, ce serait magnifique que vous puissiez venir avec moi, que je vous raconte un peu plus l'histoire de Kozut. Mon Dieu. On verra ça. On verra ça de ces jours. On verra ça. Bah, écoutez, on a toute une vie pour apprendre. Mais dites-moi, les mecs, vous êtes gardes ici, c'est ça? Oui, tout à fait. En effet. Ouais, dites-moi, il n'y aurait pas une jolie nénette avec une belle paire qui vivrait pas dans les parages? Vous parlez de la personne mentionnée, la sœur de cette personne? Comment tu sais ça, toi? Tu l'as dit. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'est elle. Ça nous dit quelque chose, MJ, ou pas du tout? Pas du tout, hein. Comme je vous ai dit, vous avez pris vos... Enfin, voilà, vous savez que ça fait pas longtemps que vous êtes sur Homefy, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Vous ne connaissez pas vraiment les habitants. C'est quand même un petit village, c'est pas une grande ville. Hein. C'est un petit village, oui. D'accord, ok. Je suis là depuis peu, j'ai pas remarqué de... Il y a quelques courtisanes, etc., évidemment, mais j'ai pas eu le temps de remarquer à ce point-là une présence féminine aussi splendide que celle que tu décris. Dommage, parce que je suis pas t'aider non plus. Ouais. Eh ben, quand ton personne peut t'aider, aide-toi toi-même. C'est ce que dit l'adage. À moins qu'elle soit déjà en prison, parce que ce dont je doute... Ce serait formidable. Vous tenez... Je prends un air rêveur. Vous arrivez et vous vous tenez enfin devant l'imposant hôtel de ville d'Amphai. C'est un bâtiment dont l'opulence tranche avec l'agitation quotidienne du village. Et derrière ces lourdes portes de bois finement sculptées, il y a un vaste hall qui s'étend devant vous, décoré de colonnes de marbre et de lustres en cristal. Ça reflète la richesse et l'importance de ce lieu. Il y a ces tapis épais qui ornent le sol et sur les murs des tableaux qui représentent des scènes historiques d'Amphai. Clairement, le cheval est à l'honneur. Hein. Dans ces peintures, vous savez que ce village est connu pour son efficace commerce de chevaux, notamment ceux qu'on appelle les gris d'Amphai, qui sont assez réputés dans tout Faerûn. Il y a également celle que l'on nomme la déesse de la vie et de la générosité, qu'on appelle Shontea, divinité de l'agriculture et de la culture des plantes. Vous traversez ce hall, tous les quatre, avec ces deux hommes. Il n'y a pas vraiment de garde autour de vous. Ok. Moi, je regarde les tapis épais, les signes en fait de richesse, en fait, évident. Clairement, oui, il y a de la thune. Et il y a en moi, évidemment, des sentiments très ambivalents, comme on dit. À la fois de mépris et d'admiration. Et donc, j'ai l'impression d'être un loup dans la bergerie, quoi. T'es clairement pas trop à ta place. Ouais. Joli, quand même. Ça peut... On peut peut-être le sentir, quoi, que je suis un peu... un peu mal à l'aise. J'ai l'air méfiant, quoi. Très bien. Hop, je vais vous mettre ici. Vigilant serait le terme. Veuillez m'excuser, mais on ne connaît pas vos prénoms, si? Monsieur les gardes. Ah, c'est pas présenté.
Non. Ah. Je n'ai pas le souvenir. Eh bien, écoutez, je me nomme Garland. Garland d'Amber. Moi, c'est Gildan. Ah ouais. C'est quoi ça, ouais. Ah ouais. Et vous-même? Veuillez m'excuser encore une fois, mais tout à l'heure, comme je vous l'avais dit, j'avais deux, trois petites questions à vous poser. Ah, bah, profitez-en. J'en profite. Juste petite question pour le MJ. Oui. Est-ce que je suis au courant que, du coup, la cargaison ou la garde, enfin, qu'il y avait des gardes qui sont partis pour affronter des orques? T'en as entendu parler, oui. T'étais au courant, oui. Ok. Alors, c'était pour savoir, depuis que plusieurs soldats sont partis affronter ces orques, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Comment se passe la sécurité ici? Avez-vous remarqué des choses troublantes ou inhabituelles, que ce soit dans la ville ou à la lisière de potentielles forêts? Troublante? Non, pas vraiment, non. Effectivement, la majorité des gardes ont dû intervenir à l'extérieur vers contre une menace orque. Et ben voilà, ça a été l'occasion pour moi, et puis je crois aussi pour mon collègue Gildan, de mener de nous faire enrôler provisoirement là, en aide pour la garde du village. Il y a vous deux. Non, on est plus, hein, mais il est vrai que nous sommes en sous-nombre. Mais pour l'instant, tout se passe bien en ville. La sécurité est plus ou moins garantie. Ouais, par j'ai contre, vu ça. Vous pourriez toucher une paye intéressante. Si vous rejoignez provisoirement la garde de la ville, on recrute. Écoute, c'est pas que j'aime pas bosser pour le prestige, mais quand tu parles de pièces d'or, on parle de combien? Ah, ça, il faut voir. Enfin, la paye est correcte. En tout cas, plus que suffisante pour pouvoir les dépenser à l'auberge. Ok. Ou de vous payer certains services. Ah, exactement. Ouais, non, mais la paye est correcte. J'ai l'impression que c'est pas un village pauvre ici. Donc si vous recherchez un petit peu d'or, si vous êtes un peu en manque d'activité en ce moment, ça peut être une bonne solution. Quand vous dites ça, j'ai souvent les sourcils froncés et d'un coup je lève les sourcils et je fais apparaître un sourire tout à fait charmant sur mon visage. Et je dis... Là, vous me parlez, les mecs. Ça, c'est une langue que j'aime entendre. Vous savez quoi? Je vous aime bien. Enfin, toute chose étant relative, hein. Mais j'ai le pressentiment que je vais bien vous aimer. Sur ces belles paroles, vous arrivez enfin dans une vaste pièce, une sorte de bureau, où dès votre entrée, vous sentez une odeur fraîche et fort agréable de jasmin qui s'empare de vos sens. Il y a une bibliothèque sur votre... Alors, je vais vous mettre quand même le lieu, que vous puissiez voir, ce sera mieux. Hop, est-ce que vous voyez tout? Je me penche vers Ascor, je lui dis « Attention, ça peut brûler ici, attention !» Oui, vous voyez qu'il y a une petite bibliothèque sur votre droite, ainsi qu'un petit coin cosy autour d'une cheminée et une grande table sur au fond à gauche, hein, de cette grande pièce, hein, qui est quand même énorme. Hein, et c'est vraiment une atmosphère qui respire la prospérité. Hein. C'est vraiment cette ville semble gérer ses affaires avec soin, clairement. Vous constatez qu'il y a plusieurs personnes, hein, dans cette pièce. Il y a une vieille dame aux cheveux grisonnants et un visage marqué par le temps qui se tient derrière ce grand bureau en bois massif. Et elle est habillée très noblement, avec beaucoup de bijoux sur elle, très apprêtée, maquillée, avec des petits tatouages sur le visage. Et
Et il y a aussi cet énorme globe en bronze au centre de la pièce. Hein. Et il y a deux gardes là, qui ont la main sur leurs armes, hein, qui entourent cette personne, hein, qui, au moment où vous rentrez, semble aux aguets. Hein. Il y a aussi ce vieux monsieur avec ses deux enfants. Hein, et clairement, quand vous rentrez, vous remarquez qu'ils sont un peu en train de se faire houspiller, hein, sermonner par ce vieil homme. Hein, et, qui semble assez frêle et fatigué. Hein. Vous remarquez que le bureau, hein, de cette femme est méticuleusement bien rangé, hein, de loin. Vous vous approchez. Que faites-vous dans cette salle ? Est-ce que la vieille dame, la vieille femme, on la reconnaît comme étant l'intendante de la ville ? Oui, oui. Abigail Felton, c'est ça ? Oui. Voilà, bon, on la reconnaît alors, d'accord. Okay. Moi, je voudrais bien me rapprocher du bureau, faire un petit salut, le salut solennel de soldat. Je lui dépose le gars qu'on a, en tout cas mon gars que j'ai ligoté. Ouais. Et je voulais dire, au rapport, madame. Hormis une agression dans les ruelles, tout va bien. Alors, je vous laisse vous déplacer. Déplacez les tokens, prenez l'habitude de... Moi, au fur et à mesure qu'on avance, comme ça, limite, en fait, j'oublie complètement que le mec est un petit peu mon prisonnier, j'ai un espèce d'élan fraternel, je lui parle un petit peu comme à un pote. et je lui dis, hein, ça doit être la mère Mackerel. Et toi, ma poule, non. Tu vas me rapporter un gros paquet. Mais non, c'est l'intendante d'Armfaille, c'est Abigail Felton. Je te promets d'être tendre. Ah, mais c'est pas cool ce que vous me faites, franchement. C'est pas très sympa. Fallait y réfléchir avant, mon pote. Du coup... oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Ah oui, j'allais m'adresser à l'intendante. Ah. Vas-y. Rascor. Ah, désolé. Moi, personnellement, je compte me séparer du groupe. Pour aller voir ce qui se passe avec, du coup... le vieux et c'est deux femmes, du coup, ou c'est deux filles. Ouais, c'est vraiment deux enfants, deux jeunes enfants qui doivent avoir 9-10 ans. Hein. Tu arrives, tu jettes une oreille et puis tu t'arrêtes et tu t'entends qu'il... Ouais, il semble vouloir aller quelque part et ce vieil homme ne veut pas, hein, qu'il sorte. Non, c'est trop dangereux. Ne sortez pas dehors. Il y a des brigands. Je ne peux pas vous laisser aller voir ce Modred. Allez, papy, s'il te plaît. On veut aller voir le magicien avec les copains. On avait rendez-vous. On devait y aller. Non, vous restez là et vous ne discutez pas. Et puis vous allez vous filer dans vos chambres. Je vous apprendre à respecter le parole des anciens, moi. Allez, oust. Et tu les vois, ils partent un peu déçus. Et... Mais, du coup, je me rapproche de la personne âgée. Excusez-moi, je n'ai pas pu... m'empêcher d'écouter votre conversation, mais ne semblez-vous pas un peu trop sévère envers vos filles ? Jeune homme, on se connaît ? Vous travaillez ici ? Je vous ai jamais vu à l'hôtel de ville. Ah oui, c'est parce que je viens à peine d'arriver et... Vous êtes qui? En fait, t'as l'image, tu vois, t'es là et t'as cette image de cet homme. Et derrière, t'as la cheminée et t'as ces flammes, hein, qui sont derrière lui, comme ça, qui viennent virevolter. Et t'as cette vision vraiment en toi qui est une espèce de sentiment, une envie. Et puis, il semble ne pas t'écouter, il fait des trucs. Non, mais je ne vous connais pas, je n'ai pas. Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Désolé, vous pouvez retourner à vos occupations. J'ai des choses bien plus importantes à faire, en fait, finalement. Et je me rapproche des flammes. Et je m'accroupis auprès de mes flammes. Mais qu'est-ce et je que... commence à... Mais vous allez vous brûler, vous êtes trop près de la cheminée, jeune homme. C'est dangereux. En plus, normalement, tu dois avoir le son qui augmente à chaque fois que tu te rapproches, donc...
Veuillez m'excuser, mais si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher, que vous puissiez écouter ce petit bruit de flamme, ce crépitement. Moi, je vais vous laisser. Au revoir. Tu vois qu'il part vraiment en toute hâte. Hein. Vraiment, il est assez speedé. Tu lui as un peu fait peur. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, c'est sûr. Effrayé par les flammes. Très bien. Donc vous, tous les trois, enfin tous les cinq, avec ces deux bons hommes, vous arrivez à ce bureau et... vous voyez que ouais, elle est clairement très raffinée hein, comme personne, cette Abigail Felton. Et il y a ses cheveux gris argentés qui laissent apparaître des petites tresses finement élaborées. Et elle vous accueille avec un mélange de soulagement et de fatigue, vraiment sur son physique. Hein, elle semble endurer plusieurs épreuves depuis un moment déjà en ville, d'après ce qu'elle vous a dit. Et ses yeux se posent brièvement sur chacun d'entre vous, sur ces deux hommes ligotés, hein, elle commence plus ou moins à vous évaluer. Tiens, qui sont ces trois personnes que vous me ramenez Dame intendante, je fais un petit salut... qui dénote un peu d'éducation protocolaire. Nous avons arrêté ces deux malfrats là qui, et je montre les deux malfrats en question, qui agressaient cette personne. Oh, j'en suis désolé. Vous êtes... Alors, petite rectification. Ils ont arrêté ce bonhomme là. Et celui-là, c'est moi qui l'arrête. Je m'appelle le Sando, madame. Oh. Je suis chasseur de primes professionnel. Ah bah enfin des renforts. Je commençais à perdre espoir. C'est très bien. Vous allez pouvoir nous aider, jeune. Mais que fait-il? Mais monsieur, attention, vous allez vous brûler là-bas. Reculez. Mais qui est ce jeune homme là-bas? Là, je crois que tout le monde se tourne, quoi. Et là, d'accord, excusez-moi, madame, pourriez-vous vous occuper de ce groupe? J'ai des affaires bien plus importantes. Mais qui est cet homme? Il est venu avec vous? Oui, complètement barré, ce mec. Il nous a assisté lors de la cam. Oh, mais alors ça fera deux renforts, mais c'est parfait. Il semble quelque peu obsessionnel avec les flammes. Il s'agirait de ne pas l'approcher trop de livres ou de choses qui brûlent. Je tiens à préciser que c'est Garland qui l'a recommandé. Je ne recommande pas cet homme. Écoutez... Garde, occupez-vous des prisonniers. Une seconde. Je vois les gardes qui se rapprochent un peu, qui vous prennent les hommes. Hein. Moi, je m'adresse à l'un des gardes quelque part. Dites à celui qui les interrogera où se trouvent les deux autres. Deux autres ont filé. Très bien, on va faire le nécessaire, mais si vous voulez les voir, ils seront toujours... on va les mettre au cachot et... Allez. Et demandez-leur où on peut trouver la sœur du gros costaud. La sœur du gros costaud Ouais, ils comprendront. Tu vois, il suffit de mettre 2-3 beignes et d'être un peu assistant. Tu vois, il prend un papier, il note... écoutez, de toute façon, on vous attendra pour le rapport. On va les mettre en stand-by et après... Ouais, et combien, au fait, pour ma prime? La prime? C'est moi qui l'ai ramené, celui-là. Ouais, nous, c'est pas nous, gardes, qui payons. Voyez ça avec Madame Felton. Écoutez, ne parlons pas d'argent tout de suite. J'ai besoin de vous, déjà, pour quelque chose de particulier, mais bien sûr, ça mérite une récompense. Je suis tout à fait, tout à fait consciente que je lâche travail mon, mon prisonnier tout de suite. Quand elle dit ça, je dis, excusez-moi, madame, j'ai tendance à faire preuve de trop de professionnalisme.
Mais c'est tout, moi, ça. C'est tout à fait naturel. Un beau garçon comme vous, en plus, vous méritez une récompense. Écoutez, c'est dingue. Personne n'avait réussi à me dépeindre aussi bien la première fois. Et puis là, tu vois, je m'incline comme ça, j'ai un sourire. Et je dis, vous êtes une dame d'une grande perspicacité, madame. Attendez, les gardes. Oh, ils sont déjà partis. Vas-y, je vais le faire revenir. Qu'est-ce que tu voulais leur dire quelque chose? Excusez-moi, une dernière chose avant que vous partez. Est-ce que vous pouvez noter sur votre papier qu'en cas d'exécution, vous pouvez m'appeler. Je serai prêt à venir les purifier, leur âme et tout acte mauvais qu'ils ont fait durant leur vie. Du coup, dois-je vous donner mon prénom afin que vous puissiez retenir vers qui vous devez aller? Tu vois, il semble hésiter, il se regarde et l'autre qui commence à se réveiller. Il y a ce gars là qui avait été pris par Sando qui est un peu paniqué. Non, il fait non de la tête. Écoutez, le soldat s'adresse à toi. Adressez-vous à Abigail Felton, l'intendante. Voyez ça avec elle. Nous, on n'est pas là. On ne sait pas le protocole qui. Normalement, ils sont pendus, mais ça dépend ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas les pendre. Il ne faut pas les pendre, voyons. Ils n'ont pas le temps de. Non, faut pas nous pendre. Faut pas nous pendre. Oui, il faut pas les pendre. Il faut les brûler. Laissez-moi les brûler. Bon, je vous promets, ils ne ressentiront aucune douleur. Tu vois, les deux gardes se regardent et ils font un geste d'épaule comme ça et ils continuent à passer la porte. Mais wow. Pourquoi me laisse pas faire mon job? C'est fou. Il va faire une dépression, moi, perso, il peut brûler personne. Personnellement, oui, il m'inquiète. Ouais, il est complètement allumé, hein. C'est le cas de le dire. Ah ouais, t'as raison. Bonne blague. Jeune homme, oui, là-bas, au fond, près de la cheminée. Venez, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai le droit de prendre un des bois qui est enflammé avec moi? Non, tu peux. Tu peux éviter dans une bibliothèque, il y a du bois un peu partout. Après, t'as des torches ici, t'as du feu qui t'entoure. Tu peux te mettre près de la torche si vraiment t'as besoin de... Cher Messie Rascor, vous êtes en présence de l'intendant Abigail, quand même. Modérez vos ardeurs enflammées, quand même. Je pourrais être n'importe qui. Ce n'est pas le souci. Les flammes de Kossuth, veuillez m'excuser, ma langue a fourché, de Kossuth sont plus importantes. Ok. Veuillez m'excuser. Vous pouvez parler... Vous avez dit quel prénom pour cette dame âgée? C'est Dame Abigail Felton. Écoutez, il y a trois sièges. Asseyez-vous et vous restez près des bougies si vous aimez le feu. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais prendre une des torches qui se trouve à votre gauche? Mais oui, servez-vous. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Ça peut vous Merci faire beaucoup. Plaisir. Écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour rentrer... pour aider notre si belle ville d'Amphaï, avec ma récompense à la clé, je l'entends bien. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, bien sûr, et comme je vous l'ai dit, je suis un professionnel, madame, donc évidemment peut-être les questions d'argent peuvent être mises de côté temporairement, mais fatalement elles se posent lorsqu'on fait elles appel. Elles arriveront, oui, elles arriveront. Puis, un professionnel, comme je vous le dis. Et je suis connu pour payer grassement ceux qui travaillent pour moi. Ça te permettra de t'acheter des frusques un petit peu plus convenables, peut-être. C'est un cadeau de ma mère. Vraiment désolé. Il n'y a pas d'offense. Un vieux cadeau, alors. C'est ça. C'est mes fringues de quand j'étais gosse. Et tu vois que je roule des yeux, tu sais. C'est le truc serré. Je regarde d'un air les vieux habits d'un air désapprobateur. Je pense qu'il y a une incohérence dans ce que vous venez de dire. Vos habits d'enfance, vous avez la même taille depuis le début. Ouais, je suis né costaud, qu'est-ce que tu veux. On n'est pas tous égaux, hein.
Écoutez, et là, je fais... Je ne peux m'empêcher de regarder autour de moi sans le faire exprès. Et peut-être fais-je passer un message au plus perspicace, mais... Écoutez, je... Pour tout vous dire, vous tombez à point nommé. Pour... Nous sommes submergés par les demandes de nos habitants depuis le départ précipité de notre garnison suite à la demande de Waterdeep. Disons que j'avais dit au maire que ce n'était pas concevable de laisser sortir une majorité de nos soldats vers ce camp orc. Et en plus, notre maire, le seigneur protecteur Downer Ilzheimer, n'est pas là. Il est en réunion sur Waterdeep et il espère revenir avec de nombreux soldats. Du coup, j'ai grandement besoin de renforts et vous pouvez être une aide nécessaire à l'accomplissement de nombreuses quêtes, vous comprenez ? Pourquoi pas, mais que se passe-t-il ici ? Tout a l'air bien calme dans le village. Mais regardez, bien calme. Vous êtes revenu avec deux brigands. Ce n'est pas si calme que ça. Ça reste une agression commune dans de grandes villes. Hein. Oui, mais ces hommes de l'ombre savent que les gardes sont moins présents. Et du coup, ils en profitent. Ah. Et j'ai peur qu'il y ait encore plus de problèmes. Ça me paraît... Évident, madame. Il faut en calmer quelques-uns, oui. Et il y a... Oui, je vous écoute. Et je vous invite à renforcer les sanctions à l'encontre des criminels dans cette période de trouble. C'est une sage idée, je prends note. Tu vois, elle prend vraiment note. Je peux faire un arrêté et ça peut en dissuader quelques-uns qui souhaiteraient peut-être commencer à se mettre dans le... Dans les profils de truands ou de brigands, mais pour commencer, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez remettre de l'ordre dans le quartier des fermes marines, à l'est, en périphérie du village, près du lac de Dith. Alors, je vais vous mettre une carte. C'est dans le... C'est, ouais. À côté du village. Vous êtes ici, en faille, hein. Oui, Waterdeep. On n'est pas très loin. Waterdeep est ici, ouais. Et donc le lac de Dith est ici. Donc, okay. Les fermes marines sont à peu près ici. Ok. C'est pas loin. Non, ce n'est pas loin. Vous êtes même pas à moins d'une heure de marche, mais disons que les fermes marines dépendent d'Amphaï et la sécurité est censée y passer. Mais le peu de soldats qui nous restent, je suis obligé de les garder dans la ville, vous comprenez. Êtes-vous en train de dire que ces fermes sont pas du tout sécurisées? Il n'y a aucun garde là-bas? Et disons qu'il y a... J'ai mis une équipe de gardes qui tourne, mais ils ne peuvent pas aller partout. Donc, j'ai besoin d'une équipe de secours, si je peux dire. Le problème, c'est qu'il y a certains habitants qui sont venus me voir en début de matinée et ils m'ont parlé d'une discorde qui est en train de s'envenimer depuis que, justement, les soldats ont quitté Amphaï. Donc... Donc il vous faudrait l'aide de professionnels. Je pense que vous êtes... Vous voulez qu'on aille jeter un coup d'œil là-bas ? Pardon ? Vous voulez qu'on aille jeter un coup d'œil Oui, j'aimerais que vous enquêtiez. Pourquoi ? Quel genre de discorde il se passe ? Et peut-être ce n'est rien. Mais s'il n'y a pas de soldats pour faire la loi, je n'ai pas envie que... Vous voulez mater une émeute dans l'œuf ? Exactement, voilà. Ils m'ont parlé de menaces de mort et le maire, hein, bien qu'il ne soit pas ici, je pense qu'il verrait d'un très mauvais œil hein, que cela dégénère davantage. Donc, il faut régler ça. C'est quoi ? C'est une querelle de famille ? Et je ne sais pas, je n'ai pas eu trop d'informations.
L'homme qui est passé ce matin m'a juste dit que ça pourrait partir vraiment en assassinat. Oui, en assassinat, c'est ce que je voulais dire. C'est presque pareil. Oui, enfin, ça rime. Enfin, il y a des assonances. Il y a peut-être un besoin de botter quelques fesses. Déjà, enquêter, voir qu'est-ce qui s'y passe. Quelle est la menace ? Vous nous laissez carte blanche ? Disons que vous êtes l'image de notre village, donc vous devrez être au service de nos habitants, vous comprenez ? Il faut leur être le plus agréable possible. C'est très important. Je sais que... N'en dites pas plus, madame. Vous avez affaire, comme je le disais tout à l'heure, à des professionnels. Donc on devrait pouvoir être en mesure de régler cette situation. Je pense, messieurs. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas vraiment l'habitude de ce métier, mais avec ces deux hommes que sont Garland et Gildan, ils vont pouvoir peut-être vous aider et vous guider dans cette tâche. C'est très important d'être à l'écoute de nos habitants. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et je hoche la tête comme ça, tu sais, d'air hyper... On sait pas trop. Voilà, hein, je hoche la tête, tout ça, j'en fais des caisses. Quoi. Je regarde tous ces bibelots dorés hein, aussi en même temps. Oui, tu sais, en même temps, j'examine la salle comme ça. Intendante, si vous avez besoin de nous, je pense que vous pouvez compter sur nous. Mais oui, j'ai besoin de vous, bien sûr. Énormément besoin de vous, même. Et je compte sur vous pour me faire un rapport détaillé à votre retour. Savoir qu'est-ce qui s'y passe. Donc n'hésitez pas à prendre des notes pour tout m'expliquer. Ça peut avoir des conséquences sur votre prime. Vous êtes mes gardes temporaires. Vous serez, comme je l'ai dit, bien récompensés suivant les tâches que vous allez accomplir. C'est une mission c'est une mission prioritaire. Hein. Comme je vous ai dit, si les périphéries à Amphaï s'embrasent, c'est tout le village qui va tomber. C'est déjà arrivé par le passé. Donc je vous donne carte blanche pour mener l'enquête. Et apaiser la situation comme bon vous semble, je ne sais pas. Vous avez l'habitude après tout. C'est un peu votre métier, non ? Tout à fait, madame. Toi, Gildan, Tu es partant ? Oui, mais j'ai une question. Si nous trouvons les responsables, vous les voulez en vie ou vous nous laissez libre cours à la punition ? Écoutez, je n'espère pas qu'il y ait de... Oui, je ne veux pas de... Une victime, vous comprenez. Mais après, je ne sais pas ce qui peut se passer. J'espère ne pas que vous n'allez pas en venir jusque-là. C'est peut-être pas rien, après tout. Renseignez-vous, mais... oui, s'il peut y avoir le moins de victimes possible, j'en serai satisfaite. Vous savez, les morts dans un village, c'est pas bon pour attirer de nouveaux habitants. Donc faites en sorte de régler ça avec diplomatie. Je comprends, mais vous venez de mentionner assassinat. C'est ce qu'on m'a dit ce matin, ce sont les dires d'un habitant. Je ne sais pas ce qu'il en est. Oui, c'est pour ça que nous partons mener l'enquête. C'est un peu le but, pour que je sache ce qu'il en est. Exactement. Oui, ok. Vous comprenez ? Je vois quel est votre souci, ma bonne dame. Je comprends. Ouais, sort des papiers du tiroir, comme ça. Voici une approbation signée. C'est un document officiel qui va certifier que vous représentez la ville. Ainsi que, tenez, des tabards de garde. Vous voyez, ils sont ornés des couleurs d'Amphaï. C'est ce que portent Garland et Gildan, du coup. Alors, ils vous les donnent à toi, Raskor et Sando. Hein. Je les prends avec Raider. Super. Oh, la bif et le moine, Sando. Faudra vous y faire. Ouais, si t'as envie de donner des leçons à un moine, j'en connais un, qui est pas loin de foutre le feu à la baraque. Excusez-moi, je ne suis pas un moine, comme vous dites, je suis un clerc. Faites attention, ce n'est pas du tout la même chose. Ok, mea culpa.
Je vous pardonne. Et je roule, et je roule des yeux. C'est la technique. Et puis, je me retourne vers, du coup, Felton, et je lui dis... Je me rapproche même un peu plus proche d'elle, en fait. Voilà, voilà. Et je dis à voix basse, vous devriez peut-être augmenter la défense de votre ville. Car, comme vous n'avez plus autant de soldats à votre disposition, bien que la journée se passe bien, la nuit pourrait poser problème et potentiellement apporter des monstres. Des monstres ? Je dis ça en... Je dis ça juste comme ça. Mais... Tout est possible. Oui, tout est possible dans le monde où on vit, mais ne m'inquiétez pas plus qu'il en... Je suis déjà inquiète, je suis déjà stressé. Je comprends vos dires, mais... C'est pour ça que vous êtes embauché, après tout, pour défendre notre belle ville d'Amphai. À la périphérie, du coup, nous ne serons pas aussi proches, si. Mais sachez que la périphérie dépend de notre ville. Comme je vous ai dit, si la périphérie s'embrase, c'est tout, c'est comme un château de cartes. Après, on a carte blanche, non ? Si quelques petites flammes... finissent par apparaître. Faites en sorte. Ce sera pour la bonne cause. Agissez avec diplomatie, s'il vous plaît. Vraiment. Diplomatie pour commencer et fermeté pour terminer. Exactement. Les deux hommes qui vont vous accompagner ont l'habitude de ce genre de mission. C'est leur métier. Donc, fiez-vous à eux. Eh oui. Ils vous expliqueront. Ok. Ils seront vos... En quelque sorte, vos supérieurs. Alors, je tiens à vous le préciser. Des bêtises. Tu vois, au moment où tu te retournes, elle met vraiment ses deux mains sur la table, comme ça, et il y a ses yeux qui se durcissent un instant. N'oubliez pas, la stabilité du village est en jeu. Ne laissez pas la situation dégénérer. S'il vous plaît. Moi, je me lève et je dis oui, madame. Je fais un petit signe. Très bien. Vous voyez les gardes qui reviennent. Okay. Je hoche la tête. Et puis, je me dis, bon... Il y a du blé à se faire. Je hoche la tête, je dis... Très bien, eh bien... À très bientôt, madame. Une fois que la situation sera réglée, on pourra se quitter en bon terme. Hein. Et vous fait. Et puis voilà. Et les bons comptes font les bons amis, comme dit l'adage. Elle vous fait un petit geste de la main et du coup, elle vous laisse partir avec les responsabilités de cette mission hein, sur vos épaules. Et dans une ville en faille, enfin un village qui, malgré sa richesse et ses apparences, semble vaciller. Sous la menace d'un chaos imminent, d'après ses dires.